L'exorciste du Vatican ou The Pope's Exorcist en VO est un film, ouais, c'est un film, qui est assez inclassable. Il est basé sur une histoire vraie, mais avec des gros, gros guillemets. Gabriel Amorce, joué par Russell Crowe, est le meilleur exorciste badass de l'église. Sauf que ses supérieurs ne sont pas très contents, car ses méthodes n'ont pas très catholiques. Honnêtement, dans cette scène au début où il se fait engueuler par ses supérieurs, c'est à peine si on lui demande pas de rendre son badge et son flingue. Il est donc envoyé dans une mission de la plus haute importance. Exorciser un enfant dont la famille voulait restaurer une abbaye, mais qui s'est fait posséder par le malin. Et heureusement, cet enfant est un Américain, comme ça le film peut se dérouler en anglais. Sauf que le début du film m'a laissé croire que l'anglais est la langue du diable, ou quelque chose comme ça. Et donc, prenez le film L'Exorciste. Vous enlevez toute subtilité, tout développement de personnages, et vous mettez des bons gros effets spéciaux bien en face et des jumpscares partout. Et c'est ça le film, c'est ça. La question qui m'a trotté dans la tête pendant toute ma séance était à quel point ce film se prend-il au sérieux ? Parce que par moments, ça a l'air sérieux, mais très vite ça enchaîne sur des scènes ridicules au possible et ça envoie du démon sans une once de subtilité. Et je vais pas m'étaler sur la scène qui justifie l'inquisition espagnole où l'église ose dire « Oh bah non, c'est pas nous !» car je l'ai trouvé indécente. Sur la fin, c'est limite si on n'a pas un espèce de kamehameha deux fois et le final, il manquait juste l'arrivée de Nick Fury. Car ça semble lancer une sorte de Vatican Cinematic Universe. Russell, non, tu as déjà foiré le Dark Universe avec la momie en 2017. Non, ça marchera pas. Bref, l'exorciste du Vatican, c'est du gros n'importe quoi. Et je me suis bien marré. Mais sérieusement, c'est du gros nanar. Et dans les bonnes conditions, bah, il est vachement fun. Mais n'espérez pas voir ici un film d'horreur, car c'est pas ça du tout. C'est plus une espèce de film buddy cop où les flingues sont remplacées par des crucifix. Voilà, bah, à vous de voir si ça vous intéresse par rapport à tout ce que j'ai dit. Pour ma note au pif, je sais pas. Je vais y donner 5 sur 10. C'est inclassable. Bon allez, là-dessus, vivez comme un bien et vivez avec passion. Coucou.